temps maintenant pour les déclarations des députés. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Je ne m'attendais pas à le faire si tôt. Monsieur le Président, ça ne peut pas être fait. N'utilisez pas ces mots lorsque vous parlez à Abraham. Lorsqu'on a dit à Brian qu'il y a des années que d'établir une ligne aérienne à Pembroke n'allait pas fonctionner, il a prouvé qu'ils avaient tort. Et son fils, Jason, l'a fait qu'il ne pouvait pas établir un établissement vignoble. Jason et sa femme l'ont fait. Je suis allé à l'ouverture de WOW, le vignoble de Whitewater O'Brien, le vignoble est de quart d'un kilomètre et il y a 8 kilomètres d'eau ouverte avoisinante et permet de climatiser l'été et a un effet atténuant sur les soirées plus froides et les journées plus chaudes. Le vignoble fait partie de l'exploitation agricole de 700 acres qui appartient à la famille depuis les années 1830 et une des plus grandes exploitations biologiques de la région. Il y a 4 différents vins, 3 blancs, 1 rouge et 1 rosé. Ils sont tous extraordinaires. Je voudrais féliciter O'Brien pour cette ouverture et qu'il y a un service en ligne qui est en développement. Et O'Brien et sa famille est en train de créer cette exploitation qui sera couronnée de succès. Député de Hamilton Mountain, merci. Je prends la parole aujourd'hui pour amplifier les voix de plusieurs Ontariens qui sont prises avec des difficultés à subvenir à leurs besoins et tentent d'avoir un endroit où se tourner, mais ils n'en ont pas. Au lieu d'avoir des solutions pour la pauvreté imposée de par la loi, ils voient des scandales après scandales qui aident les développeurs, les promoteurs immobiliers, non pas eux. Les gens me disent à quel point la vie est plus difficile et non pas meilleure. Il y a des années, on a mis à la lumière le peu d'argent qui leur restait après qu'ils reçoivent le POSPH. C'était 57 $ pour 2 semaines pour se payer des aliments. C'est la réalité pour ceux qui sont des prestataires du programme du POSPH et de l'Ontario au travail. C'était difficile. C'était très difficile physiquement et mentalement. Les leçons qu'on a eues durant ces 2 semaines lorsqu'on a adopté ce régime, ça nous a ouvert les yeux à comparer à leur situation. Et je me suis posé la question, 2 ans plus tard, est-ce que je pourrais payer le même nombre d'aliments? Qu'est-ce que je devrais mettre de côté? Est-ce que c'était le pain que j'ai acheté ou le thon, la canne de thon? On entend les difficultés. L'histoire n'a pas à se répéter. On peut apporter des changements. Je vais continuer de demander au gouvernement d'agir et de demander à ce que les taux d'aide sociale puissent assurer que les gens sont en sécurité, sont bien alimentés et puissent avoir de l'espoir pour un meilleur avenir. Merci. Prochaine déclaration de député, député de Brampton-West. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai eu une pause très productive lors de l'été et je suis allé à plusieurs événements dans ma communauté. Un des aspects les plus remarquables de notre province et de notre pays, c'est la diversité des cultures. Le tissu social de notre province nous permet, en tant qu'élus, de participer à plusieurs différentes cultures et traditions. Quelques événements notables auxquels j'ai participé lors de l'été. Une course de bateau de Brampton et le Good Land, le festival des aliments des mets culinaires de l'Inde. Le Rata est un événement qui est organisé par les motocyclistes sikhs pour donner des services aux jeunes et c'est organisé par la communauté musulmane pour promouvoir la paix et l'inclusivité. Le Festival des aliments de l'Inde
est un événement extraordinaire et fait la promotion des mets et de la musique indienne. J'ai eu l'occasion de participer à ces différents événements et d'en apprendre plus concernant toutes les cultures qui composent notre belle société. Déclaration de député, député de Toronto, Danforth. Merci. Le Toronto Star, ce matin, a signalé qu'il y a une baisse du nombre de mises en chantier en logement et on s'attend à ce qu'il y ait une baisse encore à l'avenir. C'est une mauvaise nouvelle. C'est très mauvais pour les locataires de propriétaires de grandes sociétés qui continuent d'augmenter leur loyer. Une locataire m'a parlé d'une augmentation de 5,3 % de leur loyer et comme elle l'a mentionné, les salaires n'augmentent pas. Plusieurs personnes au sein de l'immeuble gagnent le régime de pension du Canada ou de l'Ontario et ne peuvent pas se payer cette augmentation. Elle a noté qu'il y a deux ans, c'était 1 300 pour le loyer. Maintenant, c'est plus de 2 000. Les locataires et ceux qui tentent de composer avec cette crise en logement se posent des questions à savoir s'ils vont pouvoir continuer d'habiter où ils habitent ou s'ils vont devoir réduire ce qu'ils achètent à l'épicerie. Et on voit de plus en plus de personnes qui ont recours aux banques alimentaires. On doit agir en matière de logement, on doit rétablir le contrôle des loyers et de mettre fin à cette augmentation infinie des loyers. On doit avoir des investissements directs de la part du gouvernement en logement. Les gens sont aux prises avec beaucoup de difficultés, on doit agir maintenant. Déclaration de député, député de Cambridge. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je suis très emballé de partager une histoire. Une belle histoire de ma circonscription, Jamie Caldwell, a dévoué beaucoup de son temps cet été à aider les gens qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire. Avec une équipe de bénévoles, il a pu faire la collecte de 4 200 livres d'aliments et 6 000 pour la Banque alimentaire de Cambridge. C'est extraordinaire. Ce n'est pas le premier été où il l'a fait. Il a passé des fins de semaine à faire des activités de levée de fonds à l'extérieur des épiceries. Il a levé 54 000 $ pour la Banque alimentaire pour acheter des collations saines pour les élèves retournant à l'école. Le soutien pour la Banque alimentaire vient en temps opportun parce que la directrice a dit que la demande pour l'aide alimentaire continue d'augmenter. Et ils ont besoin de plus en plus de bénévoles pour répondre aux besoins de la population. Dernièrement, Jamie a gagné un prix de bénévole. Je voudrais le féliciter, Jamie, pour tout son travail acharné et d'être un citoyen de Cambridge. Merci. Déclaration de député de Humber River Black Creek. On a dit qu'il y a deux décennies, près de la côte de la rivière Humber, une guérison miraculeuse a eu lieu et on a bâti un endroit pour y rendre hommage. C'est en honneur de la Holy Mary et plusieurs milliers y vont chaque année. Des fois, lorsqu'il pleut, des fois le soir, la nuit, ils sont venus lors des mois les plus froids et l'hiver. Parce qu'on voit cet endroit spécial ne fermerait jamais, parce que seulement Dieu sait quand les gens sont dans le plus grand besoin. Ils vont là-bas pour cet endroit calme, paisible. Et les gens pensent qu'en y allant, ça change leur vie. Mais cet été, l'endroit a été vendu. Maintenant, les clôtures sont fermées avec des gardiens. Les gens tristes, en pleurs, sont détournés. Et les gens continuent d'y aller et prier à 8 heures. Les gens qui étaient bienvenus par le passé ne le sont plus. Les gens qui aimaient cet endroit et l'entretenaient pendant plusieurs années. Et la statue de Mother Mary ont été démontée. Et cet été, j'ai demandé au gouvernement de revoir le patrimoine important de cet endroit et de mettre fin aux dommages. Plus de 20 000 personnes ont signé cette pétition pour
protéger cet endroit spécial. Je vais présenter plusieurs de leurs noms au gouvernement cet après-midi en espérant que le gouvernement puisse penser que ce serait bien de faire quelque chose et d'intervenir. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Glengarry Prescott Russell. Lundi, le 25 septembre dernier, était une journée spéciale. Pour plusieurs de mes collègues, c'était un retour en chambre ici à Queen's Park, mais pour moi, c'était une journée de célébration avec les Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes de ma circonscription et de partout à travers notre belle province. Ce jour-là, le 18e monument de la francophonie a été inauguré dans un petit village de 1200 habitants qui fait partie d'une municipalité d'environ 10 000 de population dans l'Est ontarien. Ça a été un honneur pour moi de prendre la parole en tant que représentant du gouvernement de l'Ontario à cette inauguration qui a eu lieu dans le petit village d'Alfred qui se trouve à être mon village natal, Monsieur le Président. Près de 1 000 personnes ont pris part aux célébrations. Plusieurs résidents d'Alfred, accompagnés de plusieurs élèves, professeurs des écoles francophones environnantes, étaient présents. J'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter le comité du Monument de la francophonie d'Alfred pour leur travail incroyable. Il y a 18 monuments de la francophonie, puis 7 de ces monuments sont dans ma circonscription, Monsieur le Président, puis c'est quelque chose que j'en suis fier. À chaque année, les 80 000 francophones et francophiles de ma circonscription ont l'opportunité de participer à plusieurs levées du drapeau franco-ontarien et de célébrer leur fierté d'être francophones. Félicitations à tous les franco-ontariens, franco-ontariennes et francophiles qui ont pris part aux célébrations de levée du drapeau franco-ontarien ici même à Queen's Park et partout à travers la province de l'Ontario. Oui, oui, oui. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Guelph. Merci, M. le Président. C'est la semaine de l'agriculture en Ontario et je voudrais remercier et démontrer ma reconnaissance envers les agriculteurs alors qu'on se réunit lors de l'Action de grâce. Je sais que plusieurs d'entre nous vont profiter de tous les aliments extraordinaires qu'on fait pousser ici en Ontario. L'Ontario a les meilleurs agriculteurs et certaines des meilleures terres arables au monde. Mais l'Ontario, malheureusement, perd cette terre agricole d'une manière non viable de 319 acres par jour. Cela menace notre sécurité alimentaire et l'économie de l'agriculture de 50 milliards de dollars. Par contre, le gouvernement a l'intention de réduire encore plus ces terres agricoles en imposant l'étalement urbain à Hamilton, Ottawa, Waterloo et plusieurs autres endroits. C'est la ceinture de verdure 2.0. Je voudrais dire aux Ontariens merci de défendre notre ceinture de verdure. Pour nous tous qui profitent des aliments locaux et appuient les agriculteurs locaux, on vous dit merci. Et je voudrais que vous sachiez que je serai solidaire avec vous pour protéger les terres agricoles partout dans la province. Je veux trouver une solution à la crise en matière de logement pour que les gens puissent s'acheter des maisons sur des terres qui sont déjà approuvées pour le développement et non pas pour défricher les terres de la ceinture de verdure pour les promoteurs riches et les propriétaires riches. En cette semaine, je voudrais que vous puissiez démontrer votre engagement à protéger les terres agricoles et d'appuyer les agriculteurs. Merci. Déclaration de député. Député de Peterborough-Kawartan. Merci. Lorsque j'ai eu l'occasion de prendre la parole lors d'une déclaration de député, je veux toujours mettre l'accent sur de bonnes personnes et des événements incroyables dans ma circonscription, mais aujourd'hui, je vais faire les choses différemment. Je ne vais pas parler d'événements, mais je vais parler d'un chien. Deux, en fait. Les chiens de service policiers Isaac et Griffin, ce sont de très bonnes ressources pour notre communauté. Il y a quelques semaines, Griffin, lors d'un seul quart, a permis à détenir deux suspects armés avec 2 heures d'intervalle et s'est assuré qu'aucun agent ne soit blessé. L'hiver, Isaac a suivi la trace d'une personne de 70 ans qui a pris une marche avec son chien. Il s'est perdu lors d'une tempête de neige, mais Isaac a pu suivre sa trace, même si 15 cm de neige avait tombé, avait recouvert ses traces.
Ces deux chiens sont extraordinaires. Et ce n'est pas seulement moi qui le pense. Ils ont des preuves aussi. Cette année, lors des championnats des chiens policiers, Isaac était quatrième lorsqu'il s'agit de faire la détection des stupéfiants, alors que Griffin était 15e. Félicitations à Isaac et Griffin. Tout le monde à Peterborough est très fier de vous. Merci. Déclaration de député. Député d'Haliburton, Court Lakesborough. Merci. Je suis très content de partager des projets dans ma circonscription de Court Lakesborough qui ont reçu des bourses du fonds Trillium et il y a des investissements dans la maladie, la société de maladie d'Alzheimer et des services à la victime pour aider ceux qui sont en crise. Les bourses de la fondation Trillium ont mené à un changement positif et des établissements existants ont bénéficié avec un style de vie. Soit c'est mise à jour de l'abri au club de bowling, une nouvelle aire de jeu et de nouveaux programmes. Tout c'est des occasions pour les gens puissent rester actifs. Des initiatives culturelles à Bay Gardens ont reçu des subventions pour améliorer l'accessibilité et des occasions de loisirs, aussi bien que de développement économique. Le théâtre Grove à Fenland Falls a une expansion de son programme des arts et aussi le programme de la saison 2023-24. Merci à tous ces organismes qui ont fait la demande au programme de subvention de la Fondation Trillium et au personnel de tout leur soutien pour les communautés de ma circonscription. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Merci, c'est la conclusion des déclarations des députés.